Te bénisse au nom de Jésus. Nous bénissons Jésus pour cette nouvelle journée. Bonjour à Swadat au diamant, bonjour à Evelyne, Albertine. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bon réveil. Bonjour à Cowboy. Adam. Que Dieu te bénisse. Voilà, la journée est en train de commencer. Et nous glorifions le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous sommes reconnaissants vers le Seigneur pour cette journée de vendredi qu'il nous accorde. C'est un don de Dieu. Nous sommes heureux pour cela. Et nous savons que le Seigneur nous mènera très loin. Il nous aidera beaucoup. Et que sa fidélité sera notre bouclier selon ce qui est écrit. La fidélité est ton bouclier. À lui la gloire, l'honneur, la louange. Disons-lui merci pour cette journée, pour sa grâce, pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Nous sommes dans la prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour cette journée nouvelle que tu nous donnes. Que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Prends contrôle, Seigneur, tout au long de cette journée. Conduis-nous dans toute activité que nous aurons à faire. Que la gloire te revienne pour l'éternité. Au nom souverain de Jésus de Nazareth Amen Nous allons demander au Seigneur Tout au long de ces journées Qu'une grande sagesse nous soit accordée Afin de marcher dans ses voies De ne point nous en éloigner Joins-moi dans la prière Au nom souverain de Jésus Père nous demandons la sagesse Qui est un don de Dieu Selon ce qui est écrit Si quelqu'un manque de sagesse Qu'il la demande à Dieu Qui donne à tous sans reproche Seigneur merci Parce que tu nous accordes la sagesse pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, les meilleures pour notre vie. Afin, Seigneur, de demeurer dans l'intégrité et de faire ce qui est agréable et droit à tes yeux. À chercher à te plaire et non pas nous-mêmes ou aux hommes. Béni soit ton nom. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont à voyager aujourd'hui pour ceux qui se déplacent très loin pour aller travailler, qui doivent prendre les avions, des voitures, etc. Prions que la main de Dieu les préserve de tout danger, de tout plan de l'ennemi. Que Dieu nous garde dans tous nos déplacements, à vélo, à moto, à voiture, bateau, avion, etc. Nous prions à pied, nous prions Seigneur Ita Taouda, Livoros. Merci pour ta grâce. Nous prions pour la sécurité de ton peuple tout au long de cette journée. Seigneur Dieu, veille sur nous et manifeste ta gloire. Nous prions que tes anges campent autour de nous pour nous arracher de tout danger. Gloire à toi Seigneur, parce que tu es vivant. Prends contrôle ce matin et veille sur nous. Seigneur, garde-nous des accidents, des incidents. Que personne ne soit blessé, que personne ne meure. Que ta main nous fortifie et nous préserve du mal. Que nos ennemis ne se réjouissent pour notre sujet. Béni sois-tu Père. Au nom souverain de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière avec foi, ça veut dire que la main de Dieu est avec toi. Et le Seigneur t'accompagnera tout au long de cette journée. Il te gardera et il te préservera. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth, on a prié. Tu dis, Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse dans le nom souverain de Jésus. Et pour avoir ce direct, ça a été un combat. Ça veut dit, j'ai fait au moins ces 10 minutes. Avoir lancé la vidéo sur Facebook, on n'a pas pu. Donc, il a fallu éteindre le téléphone, le rallumer. Et... Donc, pour dire combien de fois c'est important et que le Satan lui-même reconnaît que c'est important euh, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de bâtir en ce qui concerne le foyer. Le mariage est fondamental. Le monde entier, tout le monde entier est influencé par le thème du mariage. C'est ça la vérité. Le monde entier. C'est-à-dire que le monde entier est basé sur le socle du mariage. Et je voudrais prier Dieu pour vous qui me regardez, pour vous qui êtes célibataires, afin que Dieu vous donne la bonne personne, que ce soit mari ou bien femme, c'est-à-dire épouse ou époux. Que Dieu t'exauce. Que Dieu ne permette pas que ton mariage soit un brouillon ou une honte pour ta famille, ou pour cette génération, pour toi-même. Que Dieu t'en préserve. J'aimerais prier pour ceux qui sont mariés et qui sont heureux dans le mariage, que Dieu ajoute à cette tension de bonheur une double portion ce matin. Une portion qui vous mènera encore jusqu'au méandre, jusqu'à la zigourate de l'amour, qui vous permettra encore de jouir de cet amour là. Attendez, je m'assois maintenant par terre parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Vous voyez, oh la tête est là en bas. Une notion qui vous permettra de jouir. Davantage de cette ziggurat d'amour qui vous permettra d'aller de l'avant dans votre amour qui fera honte à vos ennemis. Hum. Excusez-moi, hein. nous là, on est nés comme ça. Donc parfois, les chaises et la main, c'est pour orner seulement la maison. Hum. Donc tu pas épouser un mari comme moi. Tu es dans les problèmes. Toi, dans ta maison, ce n'est que sur la table qu'on s'assoit, sur la chaise qu'on s'assoit. Tu vas épouser un mari. Il y a les chaises, il te dit que non, non, moi je m'assois par terre. Tu vas te fâcher, tu vas dire c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, madame. C'est que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Moi j'ai grandi comme ça, on s'assoyait par terre sur les nattes. Donc ça fait que même les chaises aujourd'hui, ma femme, pendant toutes ces années où nous nous sommes mariés, elle s'est battue pour que dans la maison, je marche avec les babouches propres. Et il y avait toujours des babouches propres pour moi dans la maison. Je n'ai jamais réussi. Elle n'a jamais réussi ça. Voilà un domaine où elle a échoué me concernant. Je vous dis la vérité. Jamais n'a réussi. On avait des problèmes. C'est ce qu'on appelle la communication transculturelle dans un mariage. Et il est important. C'est ce qu'on va voir ce matin. La communication transculturelle dans un mariage. Elle a tout fait. Tout fait. J'oubliais. Pas parce que j'étais rebelle ou bien non. J'oubliais. C'était devenu pour moi. Ce n'était plus un caractère. C'était devenu un tempérament. Ouais, c'est une manière de parler, c'est très sérieux ce que je vous dis là. Elle s'est battue, battue. Je prends la babouche, après mon mari, ouais, voilà la babouche derrière là-bas. Il dit, excuse-moi ma femme, je vais reprendre la babouche pour encore abandonner ça à un mètre. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Mais ben, si chez toi, tu vas commencer à gronder ton mari, que c'est même qu'elle a de mari comme ça en plein 21e siècle, toi tu nous ramènes les histoires de 1900, ouais, et on a, comme si on était en 1900, ou 1800, dans les 1800, 1700. Non. Écoutez, il y a des choses qui... Peuvent être ancrés dans votre épouse ou bien dans votre mari qui ne nuisent pas à l'amour ni au bon fonctionnement du foyer. Donc ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les défauts neutres. Les défauts neutres, c'est des défauts qui ne te nuisent pas, qui ne nuisent pas au mariage, qui ne nuisent pas au bon fonctionnement de la maison. En ce moment-là, il faut les laisser tranquilles. Voilà, si tu essaies, ça ne va pas. Laisse l'autre domaine là et continue dans ce qui est important, ce qui peut modifier le cours de votre mariage. Donc je voudrais tout juste vous dire une chose, mes amis, le mariage c'est une bénédiction. Donc toi qui es heureux dans ton foyer, que Dieu augmente et ajoute une mesure de grâce, de bonheur dans ta maison ce matin, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Pour toi qui es malheureux dans ton mariage, qui pensais que tu partais vraiment euh, vers le bonheur, vers ton havre de paix, et tu t'es retrouvé, plutôt que ça venait d'un Tu t'es retrouvé que vraiment c'est avec le cousin de Bel-Aden ou la cousine lointaine de Bel-Aden que tu allais te marier. Asia d'abord maman. Asia, Asia. Vraiment. Je sais que tu ne savais pas. Parfois même vous saviez. Toi-même tu es une kamikaze d'abord. C'est-à-dire que toi-même dans les fiançailles tu as vu le danger. C'est-à-dire qu'il y avait des signes qui te prouvaient que l'homme s'il là, C'est un dangereux. Ça veut dire qu'il n'est pas loin de... Ça veut dire que c est, c est... le gars vient de Kaboul. Ça veut dire que... Le gars, c'est comme s'il vient d'Afghanistan, un pays qu'on appelle comme Afghanistan ou une ville qu'on appelle comme Kaboul, tu vois. Mais après, toi, tu dis non, vraiment, c'est Banjoun. Tu confonds Kaboul à Banjoun. Maintenant, tu, tu te retrouves que tu es dans ba K Kaboul. Ça veut dire que Kaboul, même pour Ben Laden, c'était moins cher que ta part de Kaboul. Tu te rends compte que le gars, c'est un terroriste. Et voilà, tu es déjà dedans. Tu vas faire comment Vraiment, Asya, d'abord, avant de prier pour toi, il te dit que Asia, Jogumunyal, ça veut dire que, à mon patron, on dit que tiens un peu la patience, ça va aller. Que Dieu te donne la délivrance. Que Dieu brise l'esprit, l'esprit de Kaboul dans ton mariage. Que Dieu brise l'esprit de terrorisme dans ton mariage. Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées, pas à des époux, mais à des terroristes. Il y a des maris qui sont mariés, pas à des épouses mais à des terroristes, à des femmes kamikazes. C'est-à-dire que ta femme, était ta, elle te tape, elle t'empêche de pleurer en plus. Elle t'asseoir ici, avec tes yeux comme pour ta mère. Tu sais, mais c'est ce que ta mère m'a fait le jour où on est allé pour la dot. Ah, non, 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 toi, toi, toi ici. Ah, chérie, oh, chérie, je suis ton nom, du riz. Donc, c'est ça. Donc, mais que Dieu restaure votre foyer, que Dieu ramène la paix dans votre foyer jour que Dieu apporte la délivrance dans ta maison au nom souverain de Jésus. Écoutez, pour ceux qui sont divorcés, Dieu et qui veulent se remarier, Dieu peut rétablir l'amour dans ta vie. Dieu peut le faire. Tu as commis une erreur la première fois, que Dieu te garde cette fois-ci. Je prie que l'Éternel fraye un chemin devant toi. La Bible dit dans son 85 verset 5 à 6 Heureux ceux qui ont leur appui en l'éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Je prie que Dieu mette devant vous quelqu'un de bien. Laissez-moi vous donner un conseil. Lorsque tu viens de perdre ton mari ou bien ton épouse, euh, il est parfois important de prendre du temps avant de te remarier. Prends vraiment du temps. Prends du temps, parce qu'il faut que les fortes émotions que tu ressens en toi, qui peuvent parfois affecter ton sens du choix ou bien de discernement, euh, que ces, ces émotions-là se calment d'abord, que tu te retrouves, que tu retrouves cet esprit. Parce que parfois après le, le décès d'une personne qu'on aime, il hein, y a des gens qui jubilent après le décès de leur mari ou bien de leur épouse. C'est ça la vérité. Il y a des gens qui disent, oh Dieu, exauce les prières, Seigneur, merci. D'abord même, que dans le mariage, tu vois ta femme prendre un jeu de 40 jours, 40 nuits. Tu penses que c'est ces deux tables de pierre qu'elle va demander sur le mont Sinaï à Dieu, pour telle en de demander ta mort. Seigneur, tue mon mari au nom de Jésus. Seigneur, rappelle-le vers toi, Seigneur. Il a beaucoup fait. Toi-même, tu sais qu'il a beaucoup fait. Seigneur, mon mari doit aller se reposer. Oui, qu'il retourne au Seigneur, au nom de Jésus. J'ai prie au oh de Jésus tout esprit de longévité je le lis je brise j'attache et je mets en prison et je libère la mort de mon mari il y a des gens comme ça il y a des femmes qui prient pour la mort de leur mari il y a des maris qui prient pour la mort de leurs épouses c'est une réalité d'autres qui ne prient pas souhaitent voici si l'imbécile qui peut mourir comme ça il me libère le mari aussi dit que si la folle si peut mourir comme ça là je me je me remarie vous voyez dans ce cas là la mort de ton conjoint ne t'affectera en rien. Au contraire, ça sera un jubilé. Ça sera pour toi une occasion de célébration, de joie, une occasion d'épanouissement. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un perdre un conjoint et aussitôt il est bien épanoui, c'est-à-dire qu'aussitôt il parle déjà de se remarier, il amène déjà quelqu'un à la maison, il avait parfois même il va pleurer entre les bras de son futur époux, ou bien pleurer entre les bras de sa future épouse ça fait un réel problème. Moi, je pense que c'est un peu ça. Parce que la mort d'un être qu'on aime est traumatisante. Et je pense qu'elle est traumatisante. Et il y a quelque chose que j'ai découvert, vous comprenez mes amis, il y a quelque chose que j'ai découvert avec la mort. Vous savez que j'ai découvert que la mort d'une personne chère a une grande influence dans votre vie. Ça, c'est clair. Parfois, quand les gens me voient... Les gens se disent, non, il n'a pas compris. Écoutez, je ne suis pas un bébé. Hein. Je ne tète plus. Ça fait des années, près de, près de plus de 40 ans aujourd'hui que je ne tète pas au biberon. D'ailleurs, moi, je pas beaucoup téter le lait de ma mère. Moi, elle me le dit. Je têter peut-être pour 6 mois ou 4 mois. C'est fini. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, le problème, c'est quoi Le problème n'est pas le fait que Dieu ait rappelé quelqu'un. Mais le problème, quand vous ne pouvez pas venir dire à quelqu'un qui a vécu... Une vie amoureuse profonde avec un conjoint, avec son mari ou bien avec sa femme, ou qui a vécu une vie d'amour profonde avec son, son, son père, ou avec sa mère, ou avec sa soeur, ou avec son frère. cest à dire que, parce que vous avez assisté à la personne, on a enterré son père ou sa mère, on a enterré son mari ou sa femme, et après vous lui dites, oh, ne pleure plus. Pourquoi tu ne comprends pas que le Seigneur l'a rappelé J'aimerais bien que tu sois à ma place. Ça à dire que ce, ce n'est pas. Que le Seigneur a rappelé qu'on pleure. Mais le problème, c'est ce vide-là qu'on pleure. Le problème, c'est que, on pense à, à, aux souvenirs, on comprend la fatalité qu'est la mort. La fatalité que représente la mort pour l'humanité et pour nous en particulier. Vous voyez, il y a des souvenirs, il y a des choses partout, on a les souvenirs de ces personnes-là, qui nous rappellent le passage de ces personnes sur la terre, le manque qu'on ressent, le vide qu'on ressent avec ça qu'on pleure. C'est ça qu'on pleure en réalité. C'est pas qu'on juge Dieu, ou bien qu'on eu Mathieu, ou bien qu'on n'a pas compris. Hein? c'est ça le problème. Donc, il faut que les gens comprennent l'importance. Et puis, ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que, lorsque vous perdez un être cher, les gens qui vous assistent, leur deuil finit avec l'enterrement, c'est fini. Ils passent à autre chose. Mais vous, il faut que les gens comprennent qu'on peut pas passer à autre chose. Comme ça, c'est pas facile de passer à autre chose. C'est même pas possible quand on a aimé. Et, laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on aime une personne, on n'oublie jamais la personne. Moi, ma grand-sœur est morte, ça fait 2000, depuis 2001. Aujourd'hui, je continue à pleurer ma grand-sœur. Je me dis, oh grand-sœur, si tu étais là, tu n'aurais pas souffert telle chose. Hein? Je pleure mon père qui est mort en 1997 jusqu'à aujourd'hui. Papa, si tu étais là, je t'aurais construit une maison aujourd'hui. Si tu étais là, papa, tu aurais offert une voiture. Si tu étais là, tu étais là. Vraiment, je fait telle chose, telle pour toi. Tout enfant sage, tout enfant qui a aimé un jour, tant peu que ce soit son parent, et que Dieu bénisse, pleurera ses parents en disant, « Ouais, si mes parents étaient là. Si vous ne le faites pas, vous ne les, les avez jamais aimés. » Donc, pleurer, c'est un signe d'amour. Et l'amour vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Ne soyez pas comme mon voisin qui a perdu son épouse. Moi, je vous ai raconté l'histoire. Je suis allé là-bas pour dire condoléances. Les yeux du gars étaient plus secs que ma part. C'est-à-dire, moi, je pleurais encore plus que lui. Sa propre épouse, et puis, il m'a dit tout ce qu'il m'a répondu séchement avec la deuxième femme qui était là. On n'a pas encore enterré sa femme. Et, et la deuxième était Diala. c'est la deuxième qui faisait la bouillie aux invités. Il m'a dit seulement que mon frère, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il fallait qu'elle parte. Son temps était venu. Elle devrait partir. Il avait beaucoup souffert. Il fallait qu'elle parte. C'est tout ce que je peux te dire. Hmm, ne pleure pas. Hmm. C'est lui qui me console. C'est-à-dire que je, peux, je vais pour, en, pour consoler l'endeuillé. C'est l'endeuillé qui me console. Mais jamais je suis sorti de là. Je n'ai plus jamais remis mes pieds chez lui. Même bonjour. Je n'ai plus jamais dit. Pourquoi Parce que, en fait, euh, c'est cruel. Vous voyez, c'est un cruel. Donc quand quelqu'un, lorsqu'une personne, lorsqu'une personne perd une personne qui lui est chère, vous qui n'êtes pas, qui n'aviez pas été, qui pas été à sa place, qui n'avez pas partagé cet amour, cette intimité automatiquement, pour vous, ça va finir avec l'enterrement. Pour vous, c'est ça, pour nous tous. Hein, je dis, moi mais je suis et j'y suis inclus. Donc, nous aussi on accompagne les gens, au deuil, on a pleuré avec eux. Dès que l'enterrement est passé, nous on est passé, on est passé à autre chose parce que ce n'était pas un membre de notre famille. Mais ces personnes-là restent encore affectées par ce deuil pour un bon bout de temps. Il faut leur donner du temps. Il faut leur donner du temps. Et, et je crois que nous avons vécu la Bible. Nous parlons du mariage. On a vécu la Bible. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 6, Comme Sarah, il parle des femmes. Ainsi se paraît autrefois, tanta. Tant, il dit Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, l'apôtre Pierre ici va parler de la femme chrétienne comme étant descendante de Sarah, la femme d'Abraham. Donc, chaque femme chrétienne a un cordon ombilical relié à Sarah. Et laissez-moi vous montrer une chose. Ton cordon ombilical spirituel doit être lié à Sarah. Parce qu'il y a des cordons. Oh, J'ai toujours eu les problèmes. Il faut que je cherche après. Aidez-moi. Oh, un cordon ombilical, un cheval, deux chevaux. Un cordon ombilical, deux cordons ombilicaux. Et c'est ça. Bon, ton cordon, moi en commentaire. Ton cordon ombilical spirituel doit être lié à Sarah si tu veux réussir dans ton mariage. Chaque femme qui veut bâtir un foyer stable doit dire à Dieu Seigneur, je t'en supplie, aide-moi et relie mon cordon ombilical à maman Sarah. Lorsque ton cordon ombilical sera relié à maman Sarah, le caractère de maman Sarah, quoi qu'elle soit morte, son caractère viendra sur toi. Et ton foyer sera sauvé. Pourquoi Pourquoi il le dit Il dit que vous êtes descendante. On ne peut pas descendre d'une mère sans que le cordon ombilical ne nous relie à cette mère. Donc il faut que l'influence spirituelle est bonne, positive, de maman Sarah soit sur toi. Et pourquoi Parce que quand l'onceau de maman Sarah sera sur toi, madame, ton mari ne sera plus ton égal, ou bien moindre que toi. Comme on a vu hier, qu'il y a des femmes qui sont, comme un mari avait dit à sa femme, pardon, ma chérie, arrête! Les quoi, arrête, arrête, arrête! Elle dit, j'arrête comment? Dit, Je suis en maîtrise. Elle dit, non, non, non. Une femme long crayon c'est la femme là, c'est synonyme de mépris du mari. Si tu fréquentes encore trop, 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 trop jusqu'à me dépasser là, tu vas te prendre pour mon égal, ou bien tu vas me mépriser. Ça peut arriver lorsque la femme n'a pas l'onction de maman Sarah. Lorsque le cordon ombilical de Maman Sarah n'est pas relié à ton cordon ombilical, ou à ta vie ou à ton mariage. Une femme qui a une relation spirituelle avec Maman Abraham, M Madame Abraham, Maman Sarah, même si elle a l'agrégation et son mari a le CPE, elle va appeler son mari comme Maman Sarah son Seigneur. Curio, Curio, euh, 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 Curios. Voilà. Curios veut dire Seigneur dans le sens d'être esclave à la personne. cest à dire que c'est volontaire. Écoutez bien, hein. Quand on parle de kurios, c'est parce qu'en face il y a un doulos. C'est ça le grec. Parce que les mots grecs ne sont pas choisis au hasard. Lorsque une femme appelle son mari Seigneur, ce qui en grec signifie kurios kurios mon seigneur, c'est parce qu'elle se met dans la position de doulos. Vous voyez De doulos, ça veut dire d'esclave. Ça veut dire quoi C'est un peu dans ce cadre-là, la femme se met un peu volontairement comme l'église accepte volontairement devenir une doulos de Christ qui est son Kurios. Donc ici l'apôtre Pierre fait un rapprochement comparatif entre la relation Jésus-église et Marie-épouse. Comme l'église de Jésus-Christ est appelée doulon, qui veut dire esclave, et que Jésus-Christ qui est son mari est appelé Kurios, c'est-à-dire Seigneur, Sarah appelait Abraham Kurios, c'est-à-dire elle, elle était doulon. Dans son esclave. de la femme ici se met virtuellement dans la position d'une esclave, prenant son mari comme un curieux, c'est-à-dire un seigneur dans le cadre de celui qui avait des esclaves sous son autorité. Donc, ça aidera la femme à respecter son mari, ça aidera la femme à comprendre qu'elle est femme, à rester dans son cadre de femme sans jamais violer le domicile de son mari, sans jamais s'attaquer au trône de son mari. Vous voyez? Il y a quelque chose que j'aime avec le président de la République camerounaise. Ça veut dire que c'est un homme qui a compris les Camerounais. Il a beaucoup compris les Camerounais. Pour bien vivre au Cameroun, il faut vivre caché. Et le président Paul est, il est l'incarnation il est, il est, il est parfaite de cet adage. Nous nous parlons sans respecter. Ça veut dire que je suis ici, je suis camerounais. J'ai 43 ans. Je ne connais pas la famille de mon président. Je ne connais pas l'histoire de mon président. Je ne connais pas l'histoire de son épouse, je ne connais même pas bien le nom de ses enfants. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'exhibitionnisme, il n'est pas... C'est-à-dire qu'il ne parle pas. On, on ne sait pas quand il voyage, on ne sait pas quand il est là, quand il n'est pas là. Donc on apprend seulement dans les réseaux sociaux que non, il est à Genève. Je n'ai jamais su quand mon président voyage ou bien quand il revient. C'est-à-dire qu'il sort en coulisses, il revient en coulisses et, 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 et il vit bien. Il a eu la longévité. Tu ne peux pas vivre longtemps, président de la République au Cameroun. Comme Paul Biard s'en fait comme lui. Au Cameroun, si tu veux vivre longtemps, vis caché. Il a compris cet adage. Il vit caché. Et il a eu la longévité qu'il a eue au pouvoir. Parce qu'au Cameroun, il y a des choses que si tu partages, c'est là que tu vas mourir. C'est à partir de là que ta mort va venir. Je vous dis la vérité. Il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Donc nous devons porter la responsabilité. La responsabilité euh, d'aimer. Nous devons aimer, devons aimer notre épouse, aimer notre mari. La femme doit aimer son mari et respecter son mari. Le respect chez la femme est important. La femme doit rester dans son coin. Donc, je disais que le chef de l'État camerounais, vraiment, demande du tout, il va te donner. Mais ne t'attaque pas à son trône. Ne t'attaque pas à son trône. Ne viens pas dire que tu veux le renverser du pouvoir. Non, non, on n'apprend pas à un vieux singe comment faire des grimaces. Il va te montrer le corriger. Doucement. C'est-à-dire, notre présence, c'est le genre d'homme que C'est-à-dire, dès qu'il découvre, quand j'ai suivi un documentaire sur lui, hein, quand il découvre, il commence à prendre des mauvaises choses sur toi, il ne réagit pas par rapport à ce qu'il a appris sur toi. Lui-même fait des enquêtes personnelles. Non, non, il ne prend pas les décisions sur ce qu'on lui a raconté sur toi. Non, il fait les enquêtes personnelles. Et il est très patient. Il est avec toi, vous causez ensemble, vous me dormez dans le même lit, vous marchez ensemble, vous voyagez ensemble, tu lui rends visite tous les jours. Mais il ne te dit jamais que j'ai appris telle chose de toi. Hein? Non, il ne dit pas ça. Il est avec toi, dans le calme, jusqu'à ce qu'il se rende compte que, vrai, vrai, tu cherches son trône. Alors là, tu seras en train de manger avec lui à midi, il y a un remaniement ministériel. Vous êtes en train de suivre le poste national, vous êtes en train de manger. Et c'est pendant que tu manges avec lui que tu es en train d'apprendre que tu es démis de fonction et qu'il y a l'opération au pervier qui doit passer chez toi à 16 h Tu dis que, mais, mais, mais monsieur l'excellent, votre excellence, comment c'est mon nom qui est en train de passer là-bas Et il te dit que pardon. Tu dis que mon nom. Il dit, ah, donc c'est toi, hein Oui, il dit, ah, d'accord, ça dit, il faut rentrer, tu attends alors. Mm -hmm. Ils vont passer. Non, n'aie pas peur, si tu n'as rien fait, n'aie pas peur. La commission dans d'enquête va passer et puis si tu es innocent, elle va t'innocenter. Et tu, tu te mets à trembler là. Il dit, ah, bon appétit, mange c'est un peu ça. Et c'est le même système que Dieu a. Je pense que cet homme a étudié un peu le, la gouvernance de Dieu. Dieu, Dieu peut tout te donner sauf son trône. Dieu dit je ne partage point ma gloire avec non, ni mon honneur avec les idoles. Non, ne touche pas le trône de Dieu. Satan croyait qu'il est tellement chéri qu'il est intouchable. Il y a des gens aussi qui étaient près de Paul Bia qui pensaient qu'ils sont intouchables, mais à la fin, ils ont compris, ils se sont attaqués au trône. Satan pensait qu'il est intouchable jusqu'à ce qu'il touche le trône de Dieu. C'est là qu'il a compris que Dieu est, Dieu est, Dieu est violent. Dieu l'a violenté. Donc, écoutez mes amis, la femme ne doit pas s'attaquer au trône de son mari. Aucun homme vrai, c'est-à-dire qu'aucun vrai homme n'acceptera que sa femme fasse de lui femme et que sa femme devienne mari. Que sa femme, comment on dit au cabre, monte sur sa tête. Non. Madame. Ne cherche pas à monter sur la tête de ton mari parce que là, tu vas aller dans le, -dire dans le sens interdit. C'est le sens interdit. Le trône que Dieu a donné à l'homme, l'homme est ton roi. Et toi, tu es sa reine. Je bénis Dieu parce que j'ai bien éduqué Momi à l'époque avant qu'elle ne retourne au Seigneur. Je l'ai bien éduqué. Il y a beaucoup de grandes leçons que je lui ai apprises. Vous c'est des principes simples. Hein? Ce n'est pas une question de... Non, c'est parce que je suis chrétien, etc. Il y a beaucoup de chrétiens qui échouent dans leur mariage. Donc c'est une question de volonté d'abord. C'est une question de disponibilité. De disponibilité volanistique. C'est important. Si la disponibilité voulanistique n'est pas là, et que plutôt vous nagez, vaguez, voguez dans la catalepsie, il y a un problème réel. Donc, on peut avoir la connaissance, mais sans vue de ces connaissances. C'est pour ça que Paul dira, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Donc laisse-toi transformer. Mais si tu ne te laisses pas transformer, ça va, qui va te transformer Personne. Et si vous comprenez Écoutez, mes amis, j'ai dit à ma femme à l'époque, je lui disais, je lui expliquais ceci. Je lui disais que, regarde, madame Ekané, en fait, tu es ma reine, ma reine à moi. Et la reine de tout le domaine que l'Éternel nous a donné. Ceux qui sont à la maison peuvent témoigner. Parfois, je lui demandais, demande-moi que ce soit la moitié de mon territoire, je te le donnerai. Et on blaguait. Donc, je lui disais je suis ta ton roi et m'appelait mon Seigneur. Madame si tu ne peux pas appeler ta femme ton mari ton Seigneur, oh, tu n'es pas prêt pour te marier. Je n'ai jamais compris bosser les éducations. Moi ma femme je l'avais jamais appelé pas son prénom elle m'avait jamais appelé pas mon prénom jamais. Elle m'appelait mon Seigneur ou mon bébé ou mon amour etc. Donc moi, je suis pas face bon, peut-être c'est un problème d'éducation ou bien de culture peut-être. Par exemple en France la femme appelle son mari Jacques. Et le mari appelle sa femme Marie. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas. Donc, à ce niveau-là, on n'exige rien. Vraiment, choisissez ce que vous voulez. Mais ben, je vous partage mon témoignage. Donc, nous, elle m'appelait son seigneur. Parce que je lui avais appris qu'en fait, je lui ai donné des leçons de sagesse. Elle était une bonne élève. Elle était bonne élève. Il y a des femmes qui ont la tête dure, comme le rocher du Mont-Gaondéré. Ça veut dire que l'homme va conseiller, conseiller. Elle ne change pas de caractère. Aujourd'hui, que Dieu intervienne en ta faveur. La Bible dit Ma parole n'est-elle pas comme un marteau pour briser les rocs Que la parole de Dieu devienne un marteau dans ta vie, toi, femme incrédule, pour briser ton cœur qui est gros comme le caillou, la pierre là. Que Dieu brise ce cœur et qu'il enlève ce cœur de pierre et te donne un cœur de chair pour que tu bâtisses ta maison. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée détruit sa maison. Donc, j'ai dit à mon épouse que je suis ton Seigneur, je suis ton roi et toi, tu es ma reine. Oh, Alléluia. Et je lui ai appris. Qu'en fait, la reine est reine à cause du roi. c'est pas la reine qui fait le roi, c'est le roi qui fait la reine. Uh -huh. C'est le roi qui te fait. Mmh. On ne m'appelait pas <laughs> Monsieur Lola. <laughs> non, 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 Mon nom, ce pas Monsieur Lola Shalom. C'est elle qu'on appelait Madame Shalom et uh -huh. Voilà. C'est toi qui portes le nom de ton mari. c'est pas l'homme qui porte le nom de la femme. C'est la femme qui porte le nom de l'homme. Ça te prouve l'autorité que ton mari a sur toi, madame. C'est toi qui portes son nom. Ton mari ne portera jamais ton nom parce qu'il est ton roi et tu es sa reine. C'est qui montre que c'est lui qui fait de toi la reine que tu es. Il faut comprendre ça. Madame, ne monte jamais sur la tête de ton mari parce qu'on n'appellera jamais ton mari de ton nom. C'est toi qu'on appelle du nom de ton mari. Et la lutte de chaque femme, c'est de porter dans sa vie le nom d'un homme. Et là, tu dois comprendre l'importance de la royauté de l'homme sur la maison. C'est-à-dire que tu es la reine, c'est vrai, tu gouvernes sur tout le pays. Mais n'oublie pas que ta gouvernance s'arrête ou celle de ton mari commence. Si tu n'illustres pas la relation entre toi et ton mari comme celle-là, alors madame, tu auras le problème. Tu as un trône, c'est vrai. Ton trône est à la droite de celui de ton mari. Mais sache que ce trône, c'est ton mari qui te l'a fabriqué. Et que ce trône-là, il a autorité sur ce trône. Donc madame, juste de tes prérogatives, mais, cependant, comprends qu'il y a une autorité au-dessus de toi. Ne bafoue pas cette autorité. Beaucoup de femmes ont vu leur foyer être détruit lorsqu'elles ont essayé de bafouer l'autorité de leur mari. Même si ton mari était moumou, tu le tapes n'importe comment, il supporte. Hein? Lorsque tu voudras faire de lui ta femme et toi le mari, le monsieur que tu t'appelles le juif va te faire mawashi guéri, un kakato guéri. Il va alors ralentir comme la matrice ou bien comme Jedli. Tu comprendras qu'en fait, un homme, aussi faible qu'il soit, quand tu touches à son trône, sa vraie puissance est révélée, tu révèles sa vraie puissance. Donc ce qui détruit beaucoup de foyers, c'est que nos femmes, nos épouses, parfois manquant de sagesse, veulent nous détrôner. Et aucun homme ne peut accepter d'être détrôné, vous comprenez C'est important, nous devons comprendre cela. Donc madame, c'est-à-dire la Bible, dans le rapport corrélationnel entre le mari et son épouse, la Bible, vous verrez, insistera toujours sur « Marie aime vos femmes ». Et sur si femme, respectez vos maris. Quoique, il y a aussi des bribes, quelques strates isotopiques de la parole qui exhortent les femmes à aimer leur mari. Mais, sur le plan prédominationnel, la Bible dit en prédominance que l'homme doit aimer la femme et la femme doit respecter son mari. Vous voyez Pourquoi Parce que l'amour chez la femme est inné. L'amour est inné. chez si la femme, l'homme doit cultiver l'amour. Donc, on exhorte l'homme à aimer et la femme à accepter l'autorité, à respecter, c'est-à-dire accepter l'autorité, parce que la femme aime naturellement, mais elle aussi rebelle naturellement, elle est insoumise naturellement. Vous voyez, par exemple, le, ce qui s'est passé dans le jardin de Dain, c'est l'insoumission qui a amené Eve à aller où son mari n'était jamais allé, parce que l'homme est discipliné par nature. Donc, ça fait que la Bible exhorte la femme plutôt à respecter son mari, parce qu'il y a le germe de la folie en elle, le germe de la rébellion en elle. Le j'aime de l'insoumission en elle, le j'aime de la contestation de l'égalité en elle. Vous voyez? donc il faut qu'elle respecte les bornes, qu'elle respecte les frontières. Ça veut dire qu'elle respecte, elle maîtrise, elle mémorise les pays limitrophes avec son mari, avec l'autorité de son mari. C'est important. L'homme, parfois, est assentimental. Vous voyez, l'homme, le plus souvent, est assentimental. Ça veut dire qu'il n'a pas de sentiments. Et donc, la vie les autres, à a aimer. A Parce que l'homme, vraiment, il peut vivre avec toi là, il a mille choses à faire, il n'a pas ton temps. Mais il faut qu'il apprenne à aimer. Donc c'est pour cela que la Bible donne à chacun sa responsabilité, mari, épouse. Donc c'est important de comprendre cela. La femme donc doit apprendre à respecter son mari. Et respecter ton mari, c'est dans tous les domaines de ta vie. Dans ta manière de lui servir à manger dans la maison, respecte ton mari, honore ton mari. Quand j'entre dans, dans un foyer et que je regarde, je connais lorsqu'une femme respecte son mari. Elle ne peut pas servir son mari dans des assiettes en plastique sait, on il y a la cuisse du cafard la même qui est sur le riz. Ça, le gars mange ça, il tire ça. Hein, hein, hein. C'est la cuisse de cafard. Il sort. Tu comprends la négligence même dans la manière de servir ton mari. Tu sais ton mari. C'est-à-dire que l'assiette vient. Il y a le charbon là-bas. Parce que tu as fait sur le charbon de bois. Et il y a un peu de charbon. Il met des morceaux de charbon qui tombent dans euh, la sauce. Il met la sauce gombo avec le charbon. C'est la sauce gombo charbonnée. À cause de la négligence. L'assiette de ton mari... Ça veut dire qu'elle moindre par rapport même aux assiettes que tu utilises pour servir les invités ou bien tes propres enfants. Non, ton mari doit avoir ses assiettes. Ça à dire que comme le Saint Graal, dans la maison, mis à part, ça veut dire dans un coffre sécurisé. Dans un coffre fort, sécurisé à la maison. Tu sais que voici les ustensiles de mon mari, c'est sacré. de dans la manière dont tu sais ton mari, on sait si tu le respectes ou pas. La manière dont tu poses la nourriture, on sait si tu le respectes ou pas. La manière dont tu mets la nourriture dans les assiettes, ça, oh, 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 dans les plats, ça montre si tu le respectes ou pas. Madame, c'est ça la réalité. Mais la manière dont tu marches, pour venir servir ton mari. Donc, si as démarche, il y a le désordre, ça veut dire, dedans, on sait que tu ne recevras ton mari. Mais si, tu, la démarche, elle est sacrée. cest à dire que tu marches, tes hanches se déhanchent, elles se déhanchent, elles se hanchent, elles se déhanchent. Et puis, il y a des cliquetis dans tes hanches. Et puis, ça, ton mari, et sa, sa tête bat au rythme au rythme cadencé et non saccadé des cliquetis des terrains. On sait que tu aimes, tu sais, une femme soumise là-bas. Même dans sa démarche, elle vient. Même le couscous et le gombo chantent une mélodie légère, une balade légère. Ça dit quand tu poses là, le mari, ça dit que ses papilles gustatives déjà sont provoquées, elles sont scandalisées. C'est vrai que la Bible dit malheur à celui par qui le scandale viendra, mais ça c'est un bon scandale. Ici on dira plutôt heureux celui par qui le scandale viendra. Ça veut dire que ton mari... Il mange et après il veut te manger toi-même, tu vois. Mais quand ton mari te mange, il mange, il ne veut pas te manger après, ça veut dire que vraiment, il a ressenti en toi une rivale. Euh, C'est important. La manière dont tu cherches ton mari, la manière dont tu fais le repas de ton mari, n'importe qui ne devrait pas passer là-bas. C'est-à-dire que même tes enfants ne devraient pas passer, sauf l'aîné. Tu permettras à l'aîné de passer parce que lui quand même, il respecte la déontologie. Hein, il respecte la déontologie de la science culinaire que tu adoptes pour ton mari. Donc là, on comprend que cette femme respecte son mari. Une femme qui respecte son mari, même dans la manière de préparer pour son mari, elle ne prépare pas dans n'importe quel genre de marmite. Non. Mais c'est la mamie qu'on prépare à la mesure du chien dedans que tu vas prendre pour faire la cuisine de ton mari. Et l'homme, le jour où il découvre cela, mon ami, c'est la guerre. Il va dire que tu t'attaques à son autorité, tu ne le respectes pas. Dans cette maison, il faut faire attention. Mes chères dames, dont la femme doit respecter, elle doit honorer son mari. Elle doit montrer aux gens comment son mari doit être respecté. Et ainsi, tous ceux qui viendront dans ta maison respecteront ton mari importantissime à savoir. Et donc, nous avons appris à nous aimer. Parce que l'amour est sacré. L'amour est le plus beau sentiment. Que vous pouvez avoir dans un foyer. Je me demande pourquoi vous perdez le temps dans des disputes inutiles. Pourquoi vous perdez le temps dans des querelles Il y a des femmes querelleuses. Querelleuses -elles. Elles se querellent plus que l'esprit de querelle humaine. C'est-à-dire que l'esprit de querelle humaine, sorte que, ah, il faut que j'aille chez la femme là, elle m'apprend comment querelle. On se querelle. Je croyais que j'étais l'esprit de la querelle. Mais là, je me rends compte qu'elle est plus experte que moi. Les querelles, ça sert à quoi Pour un mot, tu te braques. Pour un mot, tu juges. Pour un mot, tu condamnes. Pour un petit, une petite chose, demander des excuses. Ça vous coûte quoi Que ce soit l'homme ou la femme, il faut apprendre à demander des excuses. Demande des excuses à ton mari. Si tu as tort, demande lui des excuses. Et parfois même, laissez-moi vous dire une chose. Nous, nous avons vécu au point, où nous sommes allés au-delà des bornes. Ça veut dire que parfois même, euh, mon épouse me disait que euh, même si je n'ai pas raison, même si j'ai raison, je te demande pardon. Et papa, je disais que même si je sais que n'aime pas toi, je, je te demande pardon. Donc parfois, il faut même demander injustement pardon à ton mari. Si tu t'arrêtes, moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait L'esprit de justification a détruit beaucoup de foyers. Tu te justifies tellement qu'on croit que tu as eu une attaque d'AVC. On croit que tu as eu une attaque d'AVC que, que Dieu t'a délivré. Pourtant, l'AVC n'a même jamais imaginé ni pensé venir vers toi. C'est que trop, trop de justification. Et les justifications sont le signe de l'orgueil. Chaque fois que tu veux expliquer, c'est d'orgueil. La, la, la reine d'Angleterre a appris apprenait à ses petits-fils: Never complain, never explain. Donne pas jamais le temps à te, à te justifier. Ne te plains pas et ne te justifie pas. Sois responsable de tes actes. Ça coûte quoi de dire, chérie? Pardon. Le pardon, là, c'est certain. Je vous dis la vérité. Ils sont tellement incapables de demander pardon qu'il est plus facile à Jésus de revenir la seconde fois qu'à eux de demander pardon. Tu gonfles dans zéro. Si on te dégonfle la main dedans, on va trouver que c'est zéro. Il n'y a rien dedans. Demander pardon devrait être la chose la mieux partagée dans vos foyers, dans vos couples. Demande pardon à ton mari. Monsieur, demande pardon. À, et les hommes alors, il y a des hommes qui, depuis qu'ils sont mariés, 20 ans, leur femme n'a jamais suivi le mot pardon de leur bouche. Il faut faire attention. L'homme doit assumer la responsabilité de ses actes dans le foyer. La femme doit assumer la responsabilité de ses actes dans le foyer et ça doit être proportionné. Parce que si c'est déséquilibré, la femme se sentira marginalisée, piétinée. Et l'homme se sentira aussi marginalisé et marcher dessus. Donc, l'humilité, c'est important. Nous, on a développé cette humilité. C'est pour cela que notre amour était un amour, ça dit, qui était plus fort qu'un chimio positif. Notre amour était fort. Il était vrai. Il était pur. Il était original. Il n'y avait pas de faux semblants. Il y a des gens qui pensaient que on, on faisait devant les gens pour montrer qu'on s'aime. Mais en secret, vraiment, c'était la guerre armée. Non. Ce n'est pas la vérité. Parce que dans votre foyer, c'est ça. Ne pensez pas que dans d'autres foyers aussi, c'était ça. Non, il y a des gens qui vivent le vrai amour. Ils ont compris. Pour y arriver, il faut se dépouiller de toute forme d'orgueil, de prétention, d'altruisme, de mégalomanie. Il faut être une personne humble, reconnaître ses valeurs et les valeurs d'autrui dont nous étions tellement attachés. C'est pour cela que je me souviens que le dernier acte, je veux bénir Dieu, je n'ai pas vu ma femme partir. J'aurais tellement aimé, j'aurais tellement souhaité de tout mon être être là le jour où elle partait. J'aurais tellement souhaité être là. L'entendre me dire quelque chose. Me parler. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi je n'ai jamais autant conduit de ma vie. J'ai conduit pendant presque 16 heures de temps, sans dormir, au volant. 16 heures de temps. J'ai conduit toute une nuit, toute une matinée, de Garoua jusqu'à Yaoundé. Au volant, en train de conduire. Pourquoi Parce que j'avais espoir qu'on se dirait au revoir pour la dernière fois. J'avais espoir que je la verrais. Vous voyez, j'ai pleuré tout le long de ce trajet. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'avais espoir. J'avais espoir de la voir, de la retrouver. Malheureusement, je suis arrivé, elle n'était plus là. J'ai demandé par quel chemin elle est partie, personne n'avait vu. Le nom du pays personne ne connaissait regardez mais la dernière action le dernier contact que j'ai eu avec ma femme je m'en contenterai et je bénis Dieu pour cela je m'en contenterai je m'en contenterai je prie que Dieu vous fasse vivre la double portion de la grâce qui nous a fait vivre je m'en contenterai la vie n'appartient à personne la vie n'appartient à personne je serai humble je ne répondrai pas à ceux qui n'ont pas compris la vie. Non. Je serai humble. La dernière action que j'ai eue, c'était là. Nous étions assis. Et je me suis mis à genoux. Je l'ai embrassé. Et nous avons pleuré. On a beaucoup pleuré. Et donc c'est vrai que c'était l'acte que nous avions chaque fois que je voyageais. C'était ça. Et, et je vous dis la vérité, c'est que... Quand je voyageais parfois, je pouvais faire appel vidéo avec ma femme, en cause appel vidéo jusqu'à ce que j'arrive. Donc nous, nous, nous causions. C'est-à-dire que, que le voyage, même n'était pas vraiment voyage en tant que tel. Seulement que le contact physique était coupé. On passait des heures et des heures au téléphone à se faire des messages, des appels vidéo, audio, etc. etc. Donc on était permanemment en contact. Donc je me suis mis à genoux et je l'ai embrassé comme c'était l'accoutumé. Et j'ai pleuré, on a pleuré. On a pleuré, je lui ai dit, Maman, je reviens, je vais combattre le combat de l'éternel selon ce qui est dit. Naftoye, Lohim, Niftalti. J'ai combattu le combat de l'éternel, je vais combattre le combat de l'éternel, notre Dieu, et je reviens. Et elle m'a dit, D'accord, mon mari, va, que l'éternel te garde, que l'éternel te protège, qu'il veille sur toi. Et on a pleuré. Mais cette fois-là, on a pleuré de manière spéciale. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est aujourd'hui que je comprends. On a pleuré. On a pleuré. Quand je partais, elle a baissé la tête. Elle m'a regardé. Je suis revenu, j'ai l'ai encore embrassé. on a encore pleuré. Et puis, je suis parti. Donc, un jour avant son départ, elle a appelé sa petite fille. Elle lui a dit, viens. Elle a dit, petite, viens. Et elle est venue. Elle lui a imposé les deux mains. Elle lui a imposé les deux mains. Et elle a parlé dans sa vie. Elle lui a dit que les combats que je n'ai pas achevés Toi Non, c'était avant le voyage. C'était avant le voyage, je crois, oui. C'est Mireille qui va m'aider. Mireille était témoin. Elle lui a dit Les combats que je n'ai pas pu achever, toi, tu les achèveras. Les limites que je n'ai pas pu traverser, toi, tu les traverseras. Que la double portion du manteau de ta mère repose sur toi, sois-en l'héritière. Et que le Dieu de ton père, qui est devenu mon Dieu, soit ton Dieu. Et il a, elle a béni Jemima. Elle a prié. Elle a béni l'enfant. Et puis, elle l'a lâché. Et puis, elle a baissé encore la tête. Vous voyez, c'est des souvenirs forts. C'est ancré dans votre esprit. Mes chers frères et sœurs, aimez-vous, s'il vous plaît. Aimez-vous vivant. Cette femme que Dieu t'a donnée, ne joue pas avec elle. Ce n'est pas un objet de jeu. Ne permets pas au diable de te tromper par quoi que ce soit. Ne permets jamais qu'une femme d'ailleurs te montre que ton épouse à la maison ne sert à rien, qu'elle est nuisible, qu'elle est là, elle est une gêne pour ta vie. N'accepte jamais qu'une femme d'ailleurs parle mal de ta femme, monsieur. Madame, n'accepte jamais qu'un homme dehors te tourne contre ton mari. Ne l'acceptez jamais. Je me souviens qu'à chaque fois qu'une femme essayait de mal parler de mon épouse, mon amour devenait ennemi. L'ennemi de ma femme, c'est mon ennemi. Mais dans beaucoup de foyers aujourd'hui, l'ennemi de ta femme, c'est ton ami. Comment peux-tu, mari, être ami avec les ennemis de ton épouse Comment peux-tu être épouse, ami des ennemis de ton mari Comment peux-tu marcher et t'entendre avec des personnes qui me disent de ton conjoint C'est ça qui vous détruit. C'est là que vous avez échoué. Comment peux-tu accepter que quelqu'un vienne descendre ta femme devant toi Que quelqu'un vienne me dire de ton épouse devant toi, monsieur Qui vous a appris cela Vous êtes déjà de chrétien Quel genre de Bible est-ce que vous lisez C'est la Bible quelle Bible montre moi Je veux, je veux venir chez vous. Vous me montrez le genre de Bible que vous lisez. L'ennemi de ta femme, c'est ton ennemi. L'ennemi de ton mari, c'est ton ennemi. Celui qui vient te monter contre ton mari, chasse-le de ta maison. Madame, si tu as la spatule, tape sur sa tête, tu auras, Dieu va t'imputer, sa sa justice. Je n'acceptais jamais qu'une femme parle mal de mon époux. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. C'est-à-dire que si tu voulais qu'on soit ennemi, qu'on soit des ennemis, Hmm. Fallait mal parler de ma femme. Non, 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 non c'est très sérieux. Fallait mal parler de ma femme. Commençant par ma propre famille et dehors. D'ailleurs, si dans ma propre famille c'était ça, à quoi faut raison Ce qui vous tue, vous vous associez aux mauvaises personnes. Quelqu'un te conseille contre ton mari et tu acceptes la personne, tu marches avec la personne, tu es bête. Tu es bête. La semence d'Ève. Est en toi. Ça dit que F devant le diable, devant l'arbre, c'est en toi. Comment tu peux écouter quelqu'un qui vient te dire que ton mari est mauvais ou que ta femme est une mauvaise femme C'est une sorcière. C'est ça qui vous tue. Non. L'ennemi de ton mari, c'est ton ennemi. L'ennemi de ta femme, c'est ton ennemi. Quoi qu'il y ait une servante de Dieu, m'a dit l'autre jour que moi, je n'ai pas d'ennemi. J'ai dit Amen. Ça va. Toi, tu es une enfant de Dieu spéciale. Tu es à côté. Mmh? Le genre, toi, tu es en haut. Tu, tu es différente. Nous, on n'est pas différents. Même Dieu a les ennemis. Même Dieu. De Jésus, Dieu dit quoi Jusqu'à ce qu'il mette sous tes pieds tes ennemis. Parlant de Jésus, Jésus a les ennemis. Mon Père a les ennemis. Et ce n'est pas moi qui n'aurai pas des ennemis. Les ennemis de mon Père sont mes ennemis. Satan est l'ennemi. La Bible appelle Satan l'ennemi des élus. C'est-à-dire, parfois, nous voulons christianiser le christianisme. On veut modifier, montrer. Ça dit... Bon, ça va. Écoutez, mes amis. Nous devons être humbles. Soyez humbles. Protège. Ta femme, protège ton mari. Aimez-vous. Ne perdez pas votre temps dans les bagarres inutiles, les guerres inutiles, les chamailles, les querelles inutiles. Je vous en supplie. Je vous en prie. La vie est brève. Mes frères et sœurs, pardon, la vie est brève. Pardon, la vie est brève. La vie est brève. Arrêtez la guerre, je vous en prie. Arrêtez cette guerre. Ça ne vous sert à rien. Ne regrette pas après que ton mari meure ou que ta femme meure. Que ouais, je me comportais mal. C'est la chose la plus douloureuse lorsqu'un être cher vous quitte. C'est mieux, hein? c'est mieux d'avoir ton mari à côté de toi. Mais si vous ne vous entendez pas que de le voir mourir. Laissez-moi vous dire ça. C'est mieux encore d'avoir sa femme malade. Elle ne marche pas, elle ne parle pas, mais elle est quand même là. Tu peux la toucher, tu peux l'embrasser, que de la perdre à jamais. Vous qui avez reçu de Dieu le don et la grâce d'avoir vos maris vivants. Aimez-les. Réconciliez-vous. Il y a quel problème que vous ne pouvez pas arranger Elle, elle a tué ton père. Il a tué ta mère. Il t'a tué qui Il l'a tué qui Pourquoi vous ne vous entendez pas Et quand on fouille même au fond, il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. Il y a quoi que ta femme t'a fait que tu ne peux pas pardonner Toi, si Dieu te tenait rigueur, tes adultères, tes mensonges, tes vols, si Dieu ne te pardonnait pas, tu pensais que tu vivrais encore? Et si Dieu ne te laisse pas ton souffle de vie? Tu l'insultais même parfois. Et s'il si ne te laisse pas vivre? Si Dieu te traitait comme tu traites ta femme là. Si Dieu était exigeant, demandait, exigeait la perfection. Comme tu exiges à ta femme ou à ton mari. Tu serais vivant. Tu serais mort. Moi-même, je serais mort. Je serais plus ici pour faire l'émission. Ce gars, sauter. Je serais mort depuis longtemps. Donc, de même que Dieu te pardonne, pardonne. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, vous aussi, Dieu ne pardonnera pas vos péchés. Voilà ce qui me donne la force, moi, prophète Ferdinand et de pardonner à mes ennemis. Je pense à mes péchés. Je pense à mes faiblesses. Je pense à mes erreurs. Et je pense à combien Dieu me supporte. Je pense à mes infidélités vis-à-vis -vis de Dieu. Je pense à combien de fois je frappe parfois Dieu. Mais Dieu est là, il m'aime. Et quand tu viens, parfois, il ne me demande même pas que l'autre, jour tu as fait telle chose, pourquoi tu as fait ça. Il me dit c'est moi, mon fils, je voudrais que d'ici 5 ans, tu avances à tel niveau. Il, il minimise ça. Il pardonne. Il efface. Il passe dessus. Et on avance. Mais toi, la moindre chose que ta femme fait, tu t'accroches sur ça pour la bastonner. Pour la gifler. Pour lui parler mal. Pour la mépriser. La moindre chose que ton mari fait, tu prends ça. Tu ne prépares plus sa nourriture. Tu ne le respectes pas. Tu lui montes dessus, etc. Une femme qui méprise qui son mari n'a pas l'approbation de Dieu. Tu me tueras en enfer. Un homme qui bat sur sa femme, qui tape sur sa femme, Jésus a tapé sur l'église, quand Lui qui est le modèle de notre amour. Un homme qui tape sur sa femme n'aura pas la vie éternelle. Il n'aura pas la vie éternelle, jamais. Il n'aura pas la vie éternelle. Donc c'est pour des petites choses comme celle-là que nous irons en enfer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous pardonne. Il pardonne notre dureté. Il pardonne notre incrédulité. Il pardonne nos péchés vis-à-vis -vis de nos conjoints. Tu es marié, tu es infidèle, homme ou femme. Dieu t'a pardonné tes infidélités. Tu es incapable de pardonner aussi les infidélités ou bien les, les petites faiblesses même de ta femme. Parce que le voisin, là, regardez, c'est la guerre jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne, mes amis. Que Dieu vous pardonne dans vos foyers. Et que Dieu vous donne de comprendre que la vie, si c'est zéro, c'est rien. Et que le temps, si, est tellement précieux que vous ne devriez pas perdre un seul instant. À vous quereller ou à vous chamailler ou à vous haïr ou à vous combattre. C'est inutile. Il y a quoi qu'on ne peut pas pardonner sous le soleil Que Dieu te bénisse. Je veux bénir ta journée. À cause du temps, touche ton écran téléviseur ou bien ta radio, je ne sais pas trop, ton téléphone, ton laptop et joins tes mains à mes mains. Seigneur, je brise tout esprit de guerre, tout esprit de division dans les foyers, tout esprit de rancune dans les cœurs, de manque de pardon dans les cœurs, dans le non-puissant et souverain de Jésus. Seigneur, que les valeurs d'humilité, d'amour, de pardon, réciproque, soit dans les cœurs de ton peuple, de tous ceux qui sont connectés et ceux qui seront connectés après. Seigneur, que les barrières euh, établies par Satan soient détruites, que l'amour triomphe dans nos vies, que l'amour triomphe dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos mariages, au nom souverain de Jésus. Je bénis cette journée, que tous les plans de tes ennemis échouent, que Dieu fasse de toi le prince et la princesse que tu es. Va de l'avant, va de succès en succès, de prospérité en prospérité. Va pulvériser des records au nom de l'Éternel des âmes tout au long de cette journée. Que le Seigneur te bénisse, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Okay, love you, shalom. Je vous aime, je vous aime. Bonne journée. Et que Dieu te bénisse. Ce soir, nous avons atmosphère de miracle à la bière, en quoi comme tu viens, la main de Dieu est forte et puissante dans ta vie. Shalom, 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 shalom. Dimanche ne manque pas à notre grand culte de restauration familiale. Tous ceux qui cherchent le mariage devant Dieu, qui croient que si je prie avec eux, quelque chose quittera ma vie pour leur vie. Écrivez sur votre format blanc les conditions, l'homme que vous voulez, l'homme idéal, la femme idéale. Venez avec dimanche à l'église. Ceux qui sont loin, faites-le par message. Préparez une offrande pour bâtir un hôtel marital pour toi et ta famille, dont une offrande qui parlera en ta faveur. Et envoie par OM ou bien par... Par, par MTN. Je vais vous faire notre direct demain ça, par la grâce de Dieu. Et je te dirai exactement comment tu vas bâtir cet hôtel. Les gens m'ont demandé comment bâtir l'hôtel avec Dieu. Je vais vous dire, demain matin, dès qu'il sera à 6 heures, rendez-vous. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Shalom.